Alors bonjour Dina, bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà Dina, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Chantez. Voilà, et on t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Ok, alors je voudrais qu'on vérifie un peu au niveau des yeux. Les dents, beaucoup de problèmes. Alors les yeux, qu'est-ce qui se passe aux yeux alors? J'ai senti une petite baisse ces derniers temps, mais surtout je travaille sur des petits objets très petits, donc je suis obligée d'avoir plusieurs paires de lunettes, mais c'est uniquement de près, de loin tout va bien. Voilà, ben voilà, donc les dents, beaucoup de problèmes, hein. Je crois que j'ai eu le droit à tout sauf aux implants, voilà. ORL, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour du propriétaire. J'ai un goitre thyroïde avec des nodules, mais qui ne me pose pas de complications, donc une petite vérification. Donc, goitre, thyroïde Une vieille histoire déjà. et nodules, pas des nodules alors. Oui, je crois que c'est du polaire, quelque chose comme ça. En fait, j'ai arrêté de me faire ponctionner le sang avec les analyses. Ça ne me convenait pas beaucoup, mais il ne me pose pas de problème, la thyroïde. Ok, donc pour l'ORL, tu as des problèmes au niveau ORL? J'ai eu, là ces derniers temps, ça s'est un peu calmé, mais il m'est arrivé d'avoir des angines, rhinite, pharyngite, enfin tout le truc pendant des mois d'affilée. Ces derniers temps, ça s'est un peu calmé, mais question de voir si tout est bien OK. Ensuite, le dos, j'ai un peu abusé lors d'un déménagement il y a 2, 3 ans, qui m'a laissé coincé pendant quelques mois. Là, ça va, mais j'aimerais bien, quand il y a une petite fragilité, voir si quand même tout est bien aligné. Ensuite, pieds et jambes droites. Là, il y a toute une histoire, parce que quand j'étais enfant, j'ai sauté du haut d'un arbre pieds nus. Je me suis planté le pied sur un bout de racine de tige d'arbre qui est rentré dedans. On m'a pas soigné, ça s'infectait, c'était violet. Enfin, on a fait me couper la jambe, hein, gangrène. Enfin, oui, c'était voilà, très chaud. Donc plus tard, je me suis cassé le tibia, enfin tout un tas de choses comme ça. Toujours la Juste même voir, jambe, ouais, toujours la même jambe. voilà, juste savoir s'il y a une origine. Et puis du coup, pour éviter que ça ne récidive, qu'on désactive s'il y a besoin. Voilà, parfois j'ai des périodes où j'ai souvent la nausée au contact de quelqu'un, dans un endroit, même chez moi, ça a une pensée. Pof, la nausée peut m'être déclenchée pour un oui, pour un non. Là, en ce moment, ça va. Voilà. Alors, j'ai parfois un bourdonnement qui fait un peu métallique au niveau de l'oreille droite. C'est vraiment comme si quelque chose tournait. Tu vois, un peu ce genre de choses. Et depuis que j'ai pris rendez-vous avec toi, je ne l'ai plus. Alors qu'avant, c'était pouf. Voilà. Même pas ça. Voilà. Et puis alors, le gros souci actuellement, c'est ma nervosité. C'est tout en ébullition à l'intérieur. Il faut que tout aille à 100 à l'heure. C'est à la limite des fois d'avoir vraiment la tête qui... Et puis ça me fait tripoter les ongles. C'en est presque insupportable, quoi. Ça, c'est vraiment le point important là aujourd'hui. Et puis, il y a la cigarette. Donc, comme il y a plein de manques liés à l'enfance et peut-être d'avant, enfin, j'en sais rien, je ramène tout à la cigarette. J'en fume moins de 10 par jour, mais c'est quand même mon petit sas de compression. Voilà, j'ai ma petite cabane dans le jardin, je vais fumer là-bas. Sinon, à ce niveau-là, je crois que. Oui, je ne sais pas si on peut mettre dans le même contexte. J'ai un gros souci avec les appareils. Quand je touche, il peut m'arriver d'étraquer tout sans même que je comprenne comment je fais. L'administration, c'est pareil. C'est presque une phobie. La conduite dans des endroits que je ne connais pas, autoroute, j'ai peur d'être... Déjà de me perdre, d'être coincé quelque part. Tout ce qui peut ressembler à un endroit qui pourrait me coincer, ça peut pas fonctionner. Voilà. Donc j'ai fait cette maison avec des logements en location parce que je ne suis pas du tout compatible avec le monde du travail. Les expériences que j'ai faites ont été très désagréables. Voilà. J'enchaîne.
Vas-y, vas-y. Donc, le gros truc aussi, c'est ben, les finances. On est dans la mouise tout le temps. C'est-à-dire que même si parfois j'ai l'impression que c'est comme si on était accroché à un élastique, mon compagnon et moi, on a des trucs bizarres qui nous arrivent de passer. C'est vraiment la sensation d'être racketté sans arrêt. Que s'il y a 2 centimes, il y a le boum, quelque chose qui passe derrière qui nous remet à plat. Et pourtant, quand je dis, oui, j'ai quand même, j'ai une SCI, quand on voit de l'extérieur, ça peut même créer parfois des jalousies, alors que de l'intérieur, c'est un cauchemar. C'est, D'accord. on est constamment en train de racler les fonds et on génère quand même, si on regarde, ben, on vit comme des moyens, enfin, des Français moyens, enfin, je veux dire, tout est correct, mais tout est raflé aussitôt. Bon, on verra C'est, ça. OK. voilà. Là, il y a un gros souci. Je ne sais pas jusqu'où on va remonter avec ça. Étant enfant, je suis née dans une famille, alors c'est très très compliqué, hein. J'étais la quatrième fille d'une famille, mais mon père disait toujours qu'il avait que 3 filles. Il faisait des cadeaux, des choses particulières, école privée, tout pour mes sœurs. Moi, j'étais la crotte de service qui était là, qui gênait. Il m'a beaucoup frappé, ils ont essayé de me tuer plusieurs fois, pendaison, balancer du haut d'une fenêtre. Quand je dis Ah ça me bon? fait rire parce que, D'accord. mais c'est réel. J'ai découvert que dans les documents de naissance, on m'avait retrouvée un an plus tard, donc on m'a déclarée une année après que je sois née, quoi. Donc ils attendaient probablement que je reparte. Ça a toujours été très compliqué. Par exemple, l'adolescence, ben, il m'arrivait de fuguer. J'ai toujours voulu fuguer parce que je ne trouvais pas ma place là-dedans. C'était très compliqué. Je suis sortie par la fenêtre un soir. J'ai laissé la fenêtre entrouverte et les volets pour que personne ne se rende compte, hein, pendant que les parents dormaient. Mes sœurs étaient déjà mariées. En fait, ils se sont rendus compte de ce que j'avais fait. Ils sont passés derrière, ils m'ont tout fermé. Ce soir-là, bah, je me suis fait violer dehors par un type. Tout ce qui est, ben, si j'enchaîne sur la sexualité, ben, petite. Je fais un petit retour étant enfant, j'étais dans les toilettes, on était au Portugal et c'était des cabanes, c'est comme dans la petite maison dans la prairie en planche avec des petits espaces. Ben, j'avais eu des sensations au niveau sexuel, alors je touchais, je découvrais et je me suis rendu compte que les yeux de ma sœur étaient là, calés entre 2 planches en train de m'observer. Ça a été un gros choc pour moi. En plus, comme on était très religion et tout ça, là au Portugal, c'était ça. Je devais avoir 6-7 ans. Elle m'a dit que c'était très mal, elle m'a fait beaucoup culpabiliser, elle m'a fait du chantage avec ça. Je vais le dire à maman, donc il fallait que je fasse tout ce qu'elle m'a dit. Bah, à ce niveau-là, j'ai toujours eu la crainte qu'on m'observe, qu'on me regarde. J'ai clairement l'impression d'être passée à côté de cette chose-là. Est-ce que je reviens de suite juste ouvrir à mon chat? Vas-y. Ok, là on est bon. Ben voilà, celle-là m'a fait du chantage comme ça, c'était pas terrible. En mode, enfin, tout a été super compliqué. Oui, un autre point au niveau de la sexualité. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait une IVG. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais toujours les mêmes symptômes, les nausées. Enfin, j'ai pas trouvé ça normal. Je suis retournée voir le chirurgien qui m'avait fait ça. Il s'est avéré que l'IVG n'avait pas fonctionné. Donc, on a repris rendez-vous. Je me suis retrouvée sur la table de travail. En fait, ils m'ont fait une césarienne. J'ai un gros point d'interrogation. Suite à ça, j'ai senti une petite boule sur le côté de la cicatrice. Je n'étais pas branchée du tout à ésotérisme et tout ça à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années. Mais il m'a traversé l'esprit qu'il y avait quelque chose d'extraterrestre qui, voilà, c'était très vague, mais je ne sais pas, on va voir. Mon médecin généraliste, j'en ai parlé, il a envoyé des courriers, il n'a jamais eu de réponse, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'une IVG a fini en césarienne? Voilà, mes 3 enfants, je les ai eus aussi en césarienne, siège, placenta prévia, et puis le troisième, bah, la troisième, on n'a pas voulu prendre de risque.
Donc, une vie grosso modo chaotique où j'ai fait que ramer, que ramer, que ramer, que ramer. Voilà, jusqu'à il y a quelque temps que ça s'est un peu allégé. Et en fait, le fond de l'histoire, c'est que je n'étais pas la fille du même père, j'étais la fille du frère. Et que je l'ai su à l'âge adulte, et que tout ça, j'ai dû le comprendre par moi-même, j'ai accueilli des signes qui me venaient, il a fallu que je sache les interpréter. Et voilà, je pense que ma conscience a mis sur ma route des points lumineux pour que j'arrive à reconstituer mon histoire. Et il reste, ben là, je suis brouillée, les histoires d'héritage, là, après que, quand je dis mon père, c'est celui qui m'a déclaré, hein, parce que l'autre, il a été jeté, mis dans une maison pour personnes aliénées, parce que c'était le fou du village. Non, Ça. parce que Oui. mon vrai père, donc le Ah. frère, voilà, a été mis dans un hôpital psychiatrique, quoi, un établissement public au Portugal. Et nous, on est venus vivre en France. J'avais pas tout à fait 10 ans. Je l'ai revu une seule fois, mais comme il était considéré comme aliéné. Au niveau des. Ça m'amène sur tout ce qui est matériel, finance et tout ça. Bah, j'ai été abusée déjà depuis ce point-là, puisque du coup. Vu qu'ils étaient deux frères, tous les héritages auraient dû être à moitié à moi, mais qu'ils ont fait des embrouilles. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des choses sont bloquées, coincées. C'est un bazar, on est toutes brouillées. J'ai des relations uniquement avec ma sœur la plus âgée. Tout le reste, c'est un bazar sans nom. D'accord. Un panier à salade. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Oui, après, tout est au niveau de mon fils, voir si par rapport au vascicule, si tout est OK, mais je pense que c'est déjà prévu dans ton protocole. Alors, pas forcément. Il sera invité. Généralement, on voit plutôt Oui. pour toi. Et on va jeter un œil quand même, tu Oui, vois. parce que nous, on l'a pas eu. Enfin, autour de nous, il y en a beaucoup qui le sont. Alors, bien sûr, je sais pas ce que ça donne. Et je voulais aussi ajouter une petite chose, si c'est possible, c'est par rapport à mon chat qui en était à des espèces de démangeaisons pendant des mois. Dès qu'arrive l'hiver, ça se calme. Si on pouvait jeter un petit coup d'œil, c'est notre petit chouchou. Voilà. D'accord. Ok. Alors, on passe aux invités. Il y a deux, trois enfants en tout, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, trois enfants. Voilà, avec le compagnon ou compagne pour ta fille, c'est ça? Oui. Compagne, ok. Un compagnon, c'est un compagnon. Oui, compagnon, oui. Ensuite, donc tes frères et sœurs, tu as des sœurs aussi, Trois hein? sœurs, trois Ils sont sœurs. pas. Bah, du coup, trois demi-sœurs et trois D'accord. cousines en même temps. J'ai tout dans le même lot. Sœurs et frères, alors, hein? Comment? Tu as des frères aussi? Non. Non, non, que des Ah, filles. donc tu m'as parlé par rapport à l'héritage, tu m'as pas parlé de frères. C'était les frères de ton Oui, père? les deux frères, les deux pères, le Ah, vrai voilà et un l'autre. coach. Ok. Donc trois sœurs et la famille. Ok. Ensuite, tes parents sont encore de ce monde? Ma mère, oui. Ok. Ta mère. Ensuite, ta famille en général. Voilà. Ensuite, tu as des amis que tu as invités? Bah, ton compagnon, en fait, Oui, et d'ailleurs, je voulais préciser que tout ce qui était finance, pas de bol, enfin tout ça, bon, parce qu'au-delà d'être compagnon, on est associé à 50-50. Je sais pas si on fait miroir l'un à l'autre, mais il a le même genre de problématique. Galère de boulot, enfin des trucs. Voilà. Ok, donc ton compagnon et sa famille, donc tu as des amis de cœur ou Ouais, relations? j'ai des relations, oui. Relations, allez. Après, tu as des animaux, donc à Oui, part mon chat. le chat et d'autres, non, il n'y a que le chat. Ma fille, donc, qui est en couple, ils ont un chien, on peut Donc, on a l'inviter. les animaux de tout le monde. Ouais. C'est plus simple. Et pour les deux désincarnés, tu choisis qui? Je voudrais m'assurer que donc le papa, le vrai, celui qui a été mis dans un hôpital psychiatrique, l'invité, lui, s'appelle Manuel. Non, mais lui, Savoir. c'est pas un désincarné, il est encore vivant, Ah non, non, non? non, ils sont morts tous les deux frères. Ils sont morts depuis plus de 20 ans. Ah, d'accord, ok. Donc ton père biologique, alors? Voilà, mon père biologique, savoir s'il va bien, quoi. Lui donner un coup de pouce si besoin. Et Parce le que deuxième?
Et le deuxième, bah, je vais inviter la maman de mon compagnon, ma belle-mère, avec qui j'ai une très belle relation, faire un petit coucou. D'accord, voilà. Bien, eh bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000, tu te sens en sécurité, hors de portée? Oui. Bien, tais-toi, moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Et je te laisse te connecter sur Dina, du moins comment tu la perçois. Alors, j'ai une pluie d'énergie qui ressemble à des petits lasers, comme dans les films de science-fiction, quand il y a une pluie de lasers comme ça. Et ça vient sur le côté droit surtout, en fait, j'observe. Sur tout, on va dire son corps, mais sur le côté droit. C'est un peu Bien. bleuté, argenté comme ça, et puis c'est... Elle est visée, on dirait qu'elle est visée en fait. Attaquée, quelque chose comme ça. J'ai une sorte de... Oui, j'ai le terme d'une sorte de télé, de drone, je ne sais pas trop, mais dans l'arrière gauche de la tête qui sonde. Mais c'est une sorte de télé parce que je vois comme une sorte d'écran et c'est derrière. Qui sonde ou qui... En fait, je pense que... c'est relié à ce dispositif que je ne vois pas, mais je vois la pluie de ces lasers, on va les appeler comme ça. C'est relié. C'est comme un viseur en fait. Il est derrière sa tête côté gauche. J'ai le terme en... Elle est en danger, quelque chose comme ça. Il y a une sorte de danger. Alors là, c'est juste... J'observais en fait d'un point de vue global. Il y a aussi, elle s'est fait attraper. Alors, ouais. Alors, je vais dire ça comme une sorte de canne à pêche pour donner l'idée. Il y a un fil qui s'est accroché, agrippé au niveau de son dos, de son sacrum, en bas du dos. Ouais, sacrum, ouais, lombaire, on va dire, mais surtout le sacrum. Les hanches, tout ce qui va toucher les hanches et les, comment dire, la fluidité dans les jambes aussi. Puis un D'accord. fil comme ça. Je ne sais pas jusqu'où il va, mais je sais que c'est qu'on l'a attrapé comme ça, dans un premier temps, pour la stabiliser. Ouais, pour la stabiliser, enfin, selon. Allez, pour Leur t'habiller. vision. D'accord. Ah oui, j'ai un implant qui est placé au niveau du plexus. Ouais, c'est ça. En fait, au début, ils ont visé le cœur. J'ai cette sensation-là qui est une visée du cœur, mais que je ne sais pas si c'est son soi supérieur, quelque chose comme ça, l'a déplacé, a réussi à le déplacer. Je ne sais pas. Il y a une intervention en tout cas qui fait qu'il s'est planté au niveau du plexus. Et comme il était visé cœur, du coup, il s'est mal planté au niveau du plexus. Enfin, mal pour eux. Donc, c'est un dispositif qui sert à rien, mais par contre, qui emmène des désagréments. Donc, alors, j'ai comme, comme si la... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là. Comme si la fleur du plexus... était la géométrie en fait du plexus était désorganisée, c'est-à-dire que je vois une fleur qui ressemble à rien. La géométrie du plexus en lui-même qui se désorganise. Et je vois même des fuites d'énergie qui se désorganisent toujours comme une de la géométrie qui est cassée, comme une mécanique qui est cassée et qui fuit comme ça ressort en fait de son plexus. Ça fuit. Et ça lui cause quel problème alors? Alors, dans la 3D, il y a des blocages, la première chose qui me vient. Des blocages, oui, j'ai la créativité, mais en
Dans le, ouais, le travail, enfin tous les domaines. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai le domaine sentimental aussi. Enfin, sentimental, c'est l'affectivité, on va dire. Tout ce qui est affectif, relationnel. Et puis l'expansion, j'ai quelque chose avec l'expansion qui est bloquée. L'expansion de son être, de sa créativité, etc. D'accord. Alors, regarde comment il a été déplacé. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est déplacé, là ? Je veux savoir. Alors, oui, c'est une énergie. Moi, bon, il faut que je remonte parce que je vois comme le soi supérieur, mais c'est une énergie qui vient plus de l'extérieur. Je dirais, c'est pas. En remontant, c'est pas son soi supérieur. Alors, regarde. Il y a une intervention extérieure. Est-ce que c'est au cours d'une séance qu'elle a vécu ou pas ? Ah oui, ça résonne parce que je n'arrivais pas à voir exactement. L'énergie, elle vient de l'extérieur, elle ne vient pas d'elle. Ça, c'est... Alors, si je me cale sur une séance... oui, ah oui, ça y est. J'ai une séance qui a créé une ligne de temps. Donc, qui a interféré, que la ligne de temps vient interférer son ancienne ligne de temps. Une sorte de réparation, on va dire. Ouais. Et c'est... Enfin, de réparation, je ne sais pas si c'est vraiment une réparation, mais je vois que cette ligne de temps, cette énergie, elle est déviée, elle a dévié donc l'implant qui devait s'installer au niveau du cœur. Ok, d'accord. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre, alors, après ça ? Les yeux, il y a quelque chose qui vient de s'allumer. Alors, il y a comme il n'y a pas de dispositif, mais je vois comme un effacement au niveau des yeux que les entités vont comment dire, c'est comme s'ils allaient induire, effacer des informations, voilà, au niveau du de la vision, de, on va dire, de son troisième œil également, parce que ça fait partie. C'est comme si on y mettait un voile et qu'on effaçait ce qu'elle l'a connu, ce qu'elle a vu et connu dans le subtil. On veut effacer des informations. Ça a à voir avec sa vue qui baisse ? Oui, exactement. Ok. Ensuite ? Il y a quelque chose encore du coup, que j'observe au niveau du chakra du cœur. C'est un peu bizarre, mais comme c'est lié aussi à l'énergie des séances précédentes, enfin une des séances précédentes, je vois en fait le chakra du cœur s'enfoncer. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, on va dire qu'il s'enfonce et je vois que ça ressort de. Ça s'enfonce à l'intérieur et ça ressort derrière le dos, le chakra. D'accord. Et c'est avec quoi ça arrive, ça ? Alors, j'ai le positionnement qui me vient, c'est-à-dire la difficulté de se poser, de se stabiliser dans la 3D, mais dans la 4D aussi, dans ses corps subtils et dans ses plans supérieurs. La difficulté d'être posé, elle est en mouvement de l'intérieur. Elle n'arrive pas à se poser, en fait. C'est surtout ça qui me vient. C'est ce qui désorganise, en fait. D'accord. Et surtout, elle se cherche, j'ai envie de dire. Je vois Dina, en fait, se rechercher. Je ne sais pas comment expliquer mieux. Elle va se rechercher dans l'espace-temps, en fait. Donc, c'est ça, c'est le positionnement. D'accord. Que vois-tu d'autre ? C'est bon, j'ai fait le tour, parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui s'active. Tu vois un système GPS ? Alors, le GPS, moi, je vois le fil qui s'active en premier lieu. Donc, c'est vraiment la première chose qui s'est créée, enfin, qui s'est accrochée. Bien. Donc, si tu la scannes encore, tu ne vois rien d'autre. Tout est là. Oui, il n'y a plus rien qui s'active. Alors, regarde le fil, à quoi il est relié, alors. Alors, il est relié à une machine, enfin un espace, en fait, comme si elle était dans un environnement, comme dans une prison, on va dire, dans une pièce. Et il y a une machine, en fait, on va dire, qui est là.
C'est cette machine qui l'a attrapé. D'accord. Ok. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça, qui sont les artistes. Donc, c'est dans un vaisseau. Alors, il y a eu un mélange d'entités à un moment donné, mais c'est par rapport aux espaces-temps. C'est-à-dire que je vois trois strates d'espace-temps. Alors, la première strate, ce sont des mantes. C'est elles qui ont lancé le filet, parce que c'est les mantes que j'ai vues en premier lieu, dans un premier plan. J'ai aperçu deux mantes qui s'occupent donc du fil. Oui. Attrapé dans, on va dire, elles l'ont attrapé dans l'interincarnation, quelque chose comme ça. Hein, c'est ce que j'observe rapidement. Ensuite, il y a eu un espace-temps, alors c'est pas forcément une ligne de temps, c'est vraiment des sas d'espace-temps qui est venu l'englober, l'interférer, je ne sais pas si on peut dire si c'est vraiment interféré. Et là, par contre, dans cet espace-temps, j'observe des reptiloïdes. Ok, combien tu en vois ? 1, 2, 3. Et ça joue beaucoup sur l'émotionnel, je dirais. Je sens qu'il y a une mémoire ou un programme. Genre, j'ai de la tristesse beaucoup. Voilà. Mmh. Ok. Et ensuite, la troisième ? Troisième strat, c'est... Alors, j'allais dire aujourd'hui, mais bon, c'est pas vraiment aujourd'hui, mais c'est là. Dans cet espace dans lequel on est, il y a les implants qui ont été lancés. Ça, c'était la troisième strat. Et c'est d'autres mantes. C'est pas les mêmes que ceux qui sont là. C'est-à-dire qu'elles sont en hauteur, elles. Elles ont ouvert un vortex comme ça. Et c'est elles qui tentent d'attraper Dina par rapport à déjà tout ce dispositif qu'elle a. C'est pas les mêmes types de mantes. De ces trois stades d'espace-temps, les trois sont, on va dire, interreliées, elles s'entrecroisent, comment ? Donc, exactement. Donc, toutes ces mantes reptiloïdes et autres mantes donc, sont en lien aujourd'hui avec elles, directement. Oui. Lien directement. On est d'accord ? Oui. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces trois stades d'espace-temps comme ça qui sont ouverts ? Trois stades ? Strates ? Strates ? J'y arrive. Je ne suis pas bourré, hein. Parce qu'il y a eu une première fois et la seconde fois il y a eu comme un pillage, j'ai ce terme là qui me vient. De quoi tu parles seconde fois? C'est quoi la seconde fois? C'est la deuxième strate et les reptiloïdes. D'accord. Qui viennent piller les mantes, c'est comme si elles étaient en concurrence ou en rivalité. Mais ouais, c'est ça. Mais j'observe, vraiment, j'observe une mémoire très particulière par rapport aux reptiloïdes. Mmh, ok. Donc, voilà, on a donc trois stades d'espace-temps. D'accord. Bien. Donc, les dominantes aujourd'hui, c'est quelles ? Qui sont les dominantes aujourd'hui ? La troisième, celle d'aujourd'hui. Les autres mantes, là ? D'accord. Ok. C'est quoi leur objectif, hein ? De récupérer Dina entièrement et complètement. Elle a des mémoires qui les intéressent. Pour en faire quoi ? Pour utiliser son énergie, des plans subtils, des plans supérieurs. Pour en faire quoi ? Pour se sentir... Pour s'améliorer, ça a transformé leur physicalité, mais aussi pouvoir la dominer, c'est ce terme-là qui m'est venu, pouvoir dominer Dina en 3D, la posséder, quoi. À posséder, d'accord, ok. Dominer, c'est... Bien. Et l'objectif des premières mantes, alors la première strate, là, c'est quoi leur objectif ? Alors, c'était au niveau énergétique, c'est-à-dire au niveau juste de... oui, au niveau de, comment on appelle ça, de l'énergie vitale, c'est-à-dire se sentir beaucoup plus forte et beaucoup plus proche de l'humain en 4D, mais ils n'avaient pas encore l'objectif de la 3D. C'était une approche 4D en fait, plus forte, de pouvoir prendre
possession aussi. Mais c'est pas du tout pareil que les dernières. Ok. Et les reptiloïdes, c'est quoi leur objectif? Alors, les reptiloïdes, c'était de se... Non. Nourrir, dans un premier temps, d'elles et faire des trafics d'ADN et de cellules. On appelle ça pas des cellules, des ovules. Quelque chose comme ça. Les ovules pour, ah ben. Pour s'hybrider ou améliorer leur race, quelque chose comme ça. Et excuse-moi, je te le dis, ça me ramène à... Elle a raconté, enfin, il y a une, quelque chose de son passé. La cicatrice. Il y a la cicatrice et il y a le, oui, le, l'IVG. Voilà, c'est ce qui me vient. Mmh. Voilà. Avec la boule et la cicatrice, d'accord. Donc là, c'était les rétiloïdes. Oui. D'accord, on verra tout à l'heure. Bien, alors on va essayer de ne pas se mélanger les pédales parce qu'il y a beaucoup de trucs. Donc, ouais. les premières qui sont intervenues sur elle, c'est lesquelles de, tout, de toutes ces tout ce bestiaires-là? Les premières, c'est les mantes, les toutes, les anciennes, quoi. Les anciennes, la toute première strate, alors, hein, on est d'accord? Oui. Les reptiloïdes et autres se sont greffés plus tard. Les reptiloïdes, on va dire, juste après, quoi, à une incarnation près. D'accord. Et les autres mantes, elles sont du quand? Il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je disais le terme aujourd'hui, mais quand je dis il n'y a pas longtemps, c'est une incarnation. C'est depuis, en fait, cette incarnation-là, depuis qu'elle s'est incarnée. Donc, les premières mantes, c'est depuis combien de temps, alors, combien d'incarnations? 6. Ok, 6 incarnations. Comment elles s'y sont prises? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois le fil quand je dis ça. Alors, en interincarnation, au moment la désincarnation, interincarnation, elles ont eu un consentement parce que Dina, dans cette sixième incarnation en arrière, en fait, rêvait beaucoup. Il y avait des rêves, mais elle faisait aussi des sorties astrales, on va dire. Mmh. Et... Oui. Elles se sont présentées sous des formes bienveillantes. Il y a quelque chose avec un peu de la religion. J'ai eu des saints ou des sages qui se sont activés. Je pense que c'est des saints. S-A-I-N-T. Donc, ça a été facile ensuite, en interincarnation, de l'embrouiller, de se faire passer pour ces saints. Elle les a suivis et hop, on lui a installé ce fil dans le dos. D'accord. Donc, il y a elle. Ensuite, tu as donc les reptiloïdes qui interviennent en deuxième. Oui, qui sont arrivés en incarnation, là. 5. C'était juste après. 5 incarnations. OK. Et elles ont... Alors, les reptiloïdes surveillaient l'aimante et Dina. Parce qu'il y avait une énergie particulière qu'on m'a fait, c'est des sorties astrales. Elle avait développé une énergie christique, je ne sais pas si c'est ce corps-là, et cette énergie-là qui était importante pour eux, pour pouvoir aussi faire les hybridations avec les ovules, etc. Amélioration de leur espèce. Ok, donc ils ont trafiqué son ADN? Oui, à ce moment-là, oui. Aujourd'hui, il y a 3%. 3% de trafic. Il y a de l'inclusion d'autres ADN ou c'est juste du traficotage? Traficotage, j'ai quand même 0,1. C'est infime, mais qui est d'insertion reptiloïde. 0,1%? Oui, ça a commencé, mais la course s'est arrêtée. Okay. Oui, par rapport aux mantes, parce que ils sont. Ils étaient toujours un peu en conflit. Et ça lui cause quel problème, ça, cet ADN modifié, avec cet apport? Alors, la perte d'essence, d'identité, quoi, je veux dire. L'essence, c'est sens à elle, c'est une perte d'identité. D'accord. OK. Et après, Oui. Pardon, je fais le lien parce que ça me vient encore. J'ai des bourdonnements aussi à l'oreille. C'est eux qui provoquent ça. D'accord.
Bien. Voilà. Et ensuite, donc les autres membres en troisième strate. Alors, c'est depuis cette incarnation, c'est la conception, quand elle ouais, quand elle, comment dire, quand elle s'incarne, quoi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là, à son incarnation? C'est là qu'il y a les. Alors, j'ai les lasers. Elle n'est même pas encore fœtus. Elle est entre deux, en fait. Elle n'est pas complètement encore incarnée. Il y a du laser pour la stopper. Pour stopper l'incarnation, quelque chose comme ça. Oui. Et j'ai les implants qui sont lancés. Et les implants sont lancés et ça vient la toucher à la s'incarne, à l'incarnation. Vraiment, elle est en fœtus. D'accord. Et cet implant, c'est celui qui était visé dans le cœur, non? Ou tu parles d'autre chose? Oui, c'est ça. C'est celui-là. C'est celui-là. Et qui a atterri dans les poumons. OK. Dans bien. Le plexus. Plexus. Okay. Par la ligne du temps qui est revenu interférer. Voilà. Bien. Alors, depuis lors, qui est-ce qui gère ces incarnations? Ce sont les premières, les deux premières mantes, là, ou le reptiloïde, ou c'est... Les premières mantes avec le fil, c'est elle qui continue à gérer les incarnations. À part okay. cette incarnation-là a été modifiée, on va dire, par les nouvelles mantes. Et c'est elles qui ont pris la main pour cette incarnation? Exact. Et les autres, elles sont restées en arrière? Oui, elles n'ont pas de solution pour les contrer. Très bien. Donc. Est-ce que ces mantes-là ont choisi s'aligner? Alors, non, parce qu'elle était en train de... Non, c'était déjà choisi avant. Mais c'est pas elle. C'est choisi par loi d'attraction, par toutes ces mémoires antérieures, on va dire. Par toutes ces blessures, ces traumas de mémoire antérieure. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Dina prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences. Oui, c'est bon. Ça a pris son temps, mais oui, c'est bon. Voilà, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 24. 24 vies humaines. Ok. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai une amphibienne, type polarité féminine. La lyre, je crois que c'est la constellation de la lyre. D'accord. Type amphibienne, type grenouille, mais très... féminine, très haute, grande, fine, et elle chante comme une cantatrice. Mmh. Une cantatrice, c'est... Si elle... Attends, dis-moi. Cantatrice. On est d'eau. Tu m'as demandé? Non, mais vas-y, tu dis qu'elle chante comme une cantatrice, et tu rajoutais quoi? Mais je rajoutais qu'il y avait comme des couleurs de fréquences en fait qui s'activaient et c'est comme si ces fréquences étaient encore vivantes, je ne sais pas comment expliquer, et que ça pouvait venir toucher d'autres êtres, hein, qu'ils soient humanoïdes ou non, et que ces fréquences-là pouvaient leur donner beaucoup d'énergie, de beauté, j'ai ce terme-là qui me vient. Mmh. D'harmonie. Quoi. Comment? Harmonie et beauté. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quelqu'un, un être qui passait par là, parce qu'en fait, voilà, qui. Ça me fait penser à des jeux vidéo, tu sais, quand il y avait le Mario Bros qui chopait en fait des pièces d'or comme ça, en fait, ça me fait penser à ça. Des êtres en fait qui passent par là. Et qui en fait vont venir toucher cette fréquence qu'elle a émise,
c'est ça, je dis ça comme ça. Elles deviennent tout de suite très calmes, harmonie, voilà. La beauté, ça les fait grandir au niveau du chakra du cœur et ça leur donne une importance, je dirais. Et c'est tout type d'être, parce que je vois aussi des animaux, enfin type animal en tout cas, humanoïde, etc. Ça, c'est sur sa planète. Donc, c'est une planète de quelle dimension ? Cinquième. D'accord. Donc, il y a toute forme de vie animale, alors, si j'ai bien compris. Oui, des types d'animaux, oui. Et elle, en tant qu'amphibienne, elle est humanoïde ou pas ? C'est une humanoïde. Humanoïde ? La tête est très type amphibienne, grenouille, je dirais, mais grenouille humanoïde, c'est-à-dire qu'avec des beaux yeux quand même. Une bouche, enfin, elle est même palmée aussi. C'est palmée. Et c'est surtout sa voix et son chakra laryngé qui créent en fait ces fréquences. Bon. Et ils sont nombreux là dans cette dans cette forme de manifestation. Alors comme elle, non, parce qu'elle, c'est une spécificité qu'elle a. Et les êtres qui viennent toucher cette beauté, cette harmonie aussi, c'est comme si ça améliorait. Mais chacun est différent en fait. D'accord, elle est toute seule amphibienne sur cette planète, c'est ça que tu me dis ? Non, il y a d'autres amphibiens, mais elle a, elle, cette particularité. Du champ aboutissant, d'accord. Okay. Il y a des amphibiens, il y a des sortes d'oiseaux, je ne sais pas si on peut appeler ça des oiseaux, mais en tout cas, c'est un peu bizarre, mais ça y ressemblerait. Avec des couleurs, il y a beaucoup de couleurs dans le rose, par exemple. J'ai beaucoup de rose. Et dans ses fréquences aussi, il y a beaucoup de rose. Ok, alors qu'est-ce qui se passe à partir de cette forme de manifestation pour qu'elle se retrouve sur Terre incarnée en humain ? Alors, c'est comme si je l'apercevais comme on va dire, un concert que l'on a chez nous. Un concert où elle chante. Il y a un public d'élémentaux, mais type élémentaux de l'air, de l'eau aussi, genre des fées, voilà, on va dire des fées en général, tout type de fées en tout cas. Et lors de ce concert, on voit donc ses fréquences. Et elle se situe en fait, le concert, il se situe pas dans sa planète en fait, ce sont des élémentaux qui se situent sur Terre déjà. Voilà déjà l'histoire en fait. Alors comment elle s'est rendue sur Terre alors? Parce qu'elle a sauté une étape. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur Terre? Un vaisseau, je dirais, enfin une sorte de vaisseau, de capsule individuelle. Elle est partie dans un vaisseau? Oui. D'accord. Et pourquoi elle est partie dans le vaisseau? Pourquoi faire? Enfin, c'est une sorte de capsule. Ben, c'est pour pour rejoindre en fait l'espace des élémentaux sur Terre. Entre la 5. Il y a eu un appel? Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu besoin de rejoindre? Oui, en fait, je ne sais pas. Oui, ça, c'est une sorte d'appel ou de demande, comme un concert, en fait. Je ne sais pas si on peut dire ça un appel. En fait, il y a une logique où elle vient pour donner un concert, quoi. Mais elle peut aller aussi ailleurs, il n'y a pas que la planète Terre. Mais c'est assez proche, je trouve, quand même, des élémentaux, même du ailleurs, dans d'autres planètes. Il y a une proximité avec ce type-là, ces êtres-là. Donc là, elle se retrouve, en fait, sur Gaïa, on va dire. C'est comme une fête, le plaisir, la beauté, l'harmonie, c'est ces mots-là qui me viennent. Donc, c'est ce qu'elle diffuse, en fait, dans ses fréquences. Ok. Quand elle va dans l'espace terrestre, c'est à quelle époque de de Gaïa ? Avant la matrice. C'est avant la matrice. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle vient, parce que je la vois faire des allers-retours. C'est comme si elle enchantait, j'ai ce terme-là, les êtres qui... Voilà, qui vivent dans cet environnement. Donc, c'est comme une fonction en fait d'harmonisation et de déploiement de la beauté, etc. Oui, on
peut considérer ça comme ça. Et donc, elle, là, c'est lors d'un de ses déplacements, parce que c'était pas la première fois qu'elle vient, qu'elle venait. Et je vois différents comment dire, spectateurs, différents êtres, mais c'est toujours un peu élémentaux. Ok. Et ensuite, donc, comment ? Non, mais on se coupe la parole, c'est pénible. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en humain alors ? Donc là, à ce moment-là, il y a la fausse matrice qui arrive en fait, hein, avec les vaisseaux, mais surtout la grille, hein, lors d'un de ses déplacements et de ce concert. D'accord. Et ensuite, hein ? Il y a des perturbations énergétiques et ils se font... Alors, je dis « ils », parce que c'est tout le monde avec elle, lors de ce concert. Ils se font comme anesthésiés, bloqués, perte d'énergie et recyclés dans les roues d'incarnation. Okay. Bien. Et donc, les premières manifestations sur Terre en ce qui concerne Dina, c'est en tant qu'humaine ou elle a eu d'autres formes de manifestations avant ? Il y a eu type animal, oui. Quel type, hein ? Tout ce qui existait un peu sur sa planète. Donc, elle, il y a des types amphibiens. Je dirais amphibien, genre, mais c'est aussi iguane, mais des animaux assez évolués, je dirais, énergétiquement. Ensuite, elle a aussi revêti des formes d'oiseaux. Ça me fait penser à sa planète. Mmh. Avant d'être humaine en polarité féminine. Et où ça, la première vie humaine ? Type Amazonie, mais sud. Ok. Bien, alors à présent qu'on lance un peu plus sur cette boucle de manifestation du senseur supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Alors, si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles ? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, à part ces combien de pourcents, 5%, 3%, 3% modifié. Regarde s'il s'agit bien de son essence. Oui. Demande-lui. Et les autres mentes, elles n'ont pas trafiqué son ADN ? Non, elles sont pas. Oui, mais elles n'en sont pas encore là. Elles essayent de l'attraper totalement. D'accord. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Ah, donc, à part ses premières mentes, ses reptiloïdes et ses autres mentes, qui vois-tu d'autre ? Alors, les opportunistes, entités démoniaques, qui appuient sur des failles psychiques, émotionnelles en premier lieu, j'ai la tristesse en fait. Tristesse, c'est des formes de dépression, d'impuissance, parfois de culpabilité aussi, de ne pas arriver à se sortir de ces états-là. Et j'ai aussi des failles de perte d'identité. Voilà. Ok. Après, qui vois-tu d'autre ? Alors, en arrière-plan, il y a les gestionnaires de la matrice jusqu'au... Jusqu'au ? Arconte. D'accord, il y a une coupure. Ok. Tu vois des parasites à l'intérieur d'elle ? Non. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général.
On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et informations d'origine vues et pas vues disparaît avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et bien sûr, donc, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Alors, Dina se place dans une bulle cristique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Dina à présent? Un grand soulagement. Et vraiment un soulagement, comme s'il y avait un poids qui était parti. Bien. Alors, dis-moi comment réagissent ces entités. Alors, comme elles sont nombreuses, on va regarder déjà les premières mantes. Comment veux-tu qu'elles réagissent? Alors, le fil était coupé, donc elles réagissent en la recherchant dans l'espace-temps, en fait. Hein. Mmh. Ok. Donc, on va les bloquer comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, tu vas revenir en arrière. Tu vas te positionner un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc, regarde la bulle énergétique de Dina. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, j'ai des cicatrices. Alors, les émis sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, avant de continuer, on va regarder les autres. Donc, les reptiloïdes. Dis-moi, donc, comment réagissent-ils? Alors, je réobserve, en fait, je vois qu'ils cherchent des ovules, qu'ils ont des informations et des ovules, en fait, dans sa possession, en leur possession pour la retrouver. D'accord, bah déjà, on va les bloquer également à leur tour. Allez, sur tous les plans, comme possibilité, arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Là aussi, tu reviens en arrière, à un moment, où, juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Ah, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde, là, s'il reste quelque chose sur la bulle de Dina. Oui, des résidus. Allez, on élimine comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, on va regarder les troisièmes mantes. Donc, la troisième. Dis-moi comment elles réagissent. J'ai des vortex qui s'ouvrent là. D'accord. Alors, on va toutes les bloquer également comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière, tu te positionnes un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu l'effaces. Oui. Alors, pour elle aussi, est-ce qu'il reste quelque chose sur la bulle de Dina? Oui, j'ai des traces énergétiques. Alors, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, on revient à la première mante. Dis-moi si elles ont un moyen ou non de la retrouver, de la repérer. Des données du GPS, enfin du fil, hein, du coup. D'accord, c'est relié à un ordinateur ou pas? Bien, cet ordinateur est relié à d'autres ordinateurs? Non, il n'y en a qu'un. Ok. On peut griller l'ordinateur? Oui. Allez, on grille tout. 1, 2, 3. Oui. Alors maintenant, si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer? Non. Aucun? Non.
Ben, les mentes sont malignes. On regarde si elles n'ont pas anticipé, s'il n'y a rien de dissimulé. Moi, je les vois se détourner en fait de Dina. Alors, fais attention, ça peut être stratégique. Va plus loin, on regarde mieux. Elles font le tour. Allez. Elles tournent autour. Hein. Enfin, elles tournent autour de. Je ne sais pas, moi, je les vois tourner, donc elles sont à la recherche. Lis dans leurs intentions, regarde ce qu'elles font. De se cacher. De se cacher. Donc elles ne sont pas cachées, elles cherchent à faire quoi exactement? À revenir en arrière, anticiper. Ok, et pour ça, elles vont faire quoi? Donc avec une sorte de machine quantique, Voilà. créer un espace-temps en arrière. Ok, elle est reliée à d'autres machines? Oui. Combien? Deux autres. Alors on grille tout, une explosion. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on va griller de leurs circuits neuronaux et de tous ces moyens techniques le souvenir de l'existence de Dina. Donc, on crée une amnésie totale et aucun moyen de se souvenir de son existence. OK? Allez, il n'y avait pas de grille avec elle. Non. OK, en tout cas, pour tout le collectif, on élimine. 1, 2, 3, amnésie. Oui. Comment réagit-elle? Ah, je me sens soulagée et elle s'éloigne. Elle se préoccupe plus du tout de ce qu'elle est en train de faire. Bien, alors les reptiloïdes, regarde maintenant, est-ce qu'ils ont un moyen de la retrouver et de la repérer? Oui, ça me ramène toujours à ces ovules. Aux informations hybridées stockées quelque Ok, part. alors on va tout détruire. Allez, 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors regarde s'ils ont moyen de le retrouver, de la retrouver et de la repérer. Elle se pose des questions, il recherche justement une solution pour la retrouver. D'accord. Et si tu vas dans leur futur, regarde s'ils en ont trouvé une. Bien, tu vas effacer de leur mémoire collective également. Donc le souvenir de l'existence de Dina et tout autre moyen de s'en rappeler. 1, 2, 3. Ah oui. Comment tu les vois maintenant? Ils ont disparu en fait. Parfait. Et maintenant les autres ventes, les dernières. Regarde, dis-moi si elles ont moyen ou non de la retrouver et de la repérer. Oui, elles sont devant moi. Enfin, elles sont pas très loin, donc elles ont un moyen de. Il y a les implants. En fait, c'est lié aux implants toujours. Est-ce qu'elles nous ont repérés? Je dirais que oui, parce que je les vois de très près avec un sourire très narquois. Ok. Le voile d'invisibilité n'a pas fonctionné? Si, mais il y avait une faille, en fait, c'est par rapport à Adina. D'accord. C'était quoi cette faille? Les implants qui déstructuraient les chakras. Je ne sais pas si ça a été D'accord. la faille pour nous pour retrouver la bulle en fait, puisqu'elle est dans la bulle de la séance. Bien. Ok. Donc là, ces mondes, tu les vois comment alors? Tu dis qu'elles sont narquoises. Oui, Et mais elles n'ont lesquelles? pas encore agi. Comment? Elles n'ont pas encore agi, elles n'ont pas encore mis un dispositif, quelque chose. Elles sont en observation, je dirais. Ok. Alors regarde quels moyens elles ont de la retrouver et de la repérer. J'allais dire la géométrie de son chakra qui finit là. Tu veux dire qu'elles ont des informations? Oui, des particules, ouais. Elles sont stockées où? Dans un ordinateur, une puce, un plan, puce, ordinateur, je dirais, quelque chose comme ça. Il y a combien d'ordinateurs? Cinq qui s'activent. Sont tous reliés à la centrale ou pas? Oui. Eh bien, on va tout griller. Allez, les implants avec. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Là, je les vois comme désactivées, en fait. Elles se sont éloignées, je les vois comme désactivées, c'est-à-dire qu'elles ne se préoccupent plus du tout de. Alors, regarde quand même si c'est stratégique.
N'oublie pas que ce sont des menthes. Elles se sont diminuées. Non, c'est pas stratégique. D'accord. Excuse-moi. Non, vas-y. Elles ont toujours en tête Dina, ça je sais, mais elles se sentent diminuées, là, pour la retrouver. Parfait. Alors maintenant, émis dans le circuit neuronal, le souvenir de l'existence de Dina et tout autre moyen technologique également. OK? Oui. Allez, on grille tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est, c'est effacé. Comment tu les vois réagir maintenant? Ok, elles sont en train de s'éloigner. En fait, elles se demandaient ce qu'elles faisaient là. Il y a eu un temps de je reprends mes esprits et elles ont pris leur route. D'accord. Bien, maintenant, on va regarder le sens supérieur de Dina. Dis-moi où il réside, sur quel plan et dans quelle situation. Mais sur le plan morentiel, il est descendu d'un octave. Parce que là, ça a commencé à faire lourd pour lui. D'accord. Il est quand même en capacité de prendre des décisions. Oui. D'accord. Comment tu vois son âme? Effacée, je dirais, et perte d'énergie. C'est car elle a perdu de son essence, quoi. Et la partie séminale? Alors, elle est en liberté, libérée, elle est en mouvement. On va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morentiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morentiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là? Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Dina pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Dina. De vivre en complète complétude, c'est-à-dire en étant entière, reconnectée à toutes ses parties, avec de la complétude intérieure. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 96%. Donc tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, je regarde son arbre généalogique. Dis-moi comment tu le vois. Comme un arbre qui vient de perdre ses épines, comme s'il était soufflé par une déflagration. Je le vois vraiment asséché. Et surtout le côté gauche, je dirais, la polarité féminine. Mais le côté droit est lui aussi diminué. Il a beaucoup perdu de sa vitalité. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Alors j'ai le terme une grande sécheresse intérieure. Une sécheresse intérieure. Alors aux consciences, ça se traduit des difficultés de se représenter en fait, de se reconnaître dans l'arbre. Donc avec tout ce qu'elle a évoqué en fait en début, il y a des sortes de conflits mais de reconnaissance en fait aussi. Comment est-ce que tu vois que ça l'a impacté elle personnellement? Alors elle se sent à part. Enfin j'ai ce terme là qui m'est venu. Se sentir un peu déconnectée des... Voilà, c'est comme si elle était sortie de son arbre. C'est assez bizarre comme sensation. Mais elle est raccrochée avec un fil. Mmh. Et c'est quoi ce fil? C'est l'arbre, c'est la racine de l'arbre. Elle fait partie de cet arbre. Donc, mais c'est comme si elle était déconnectée par cette sécheresse et qu'elle était en dehors de l'arbre, mais toujours quand même connectée avec ce fil d'une racine.
Bien, alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 56. Que se passe-t-il à ce moment-là? Ah, il y a des entités démoniaques qui provoquent ce souffle. C'est une sorte de bombe qui détruit à petit feu l'arbre. Bien. Et est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Il augmente ses fréquences pour changer de plan. Bien. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Je vois un arbre qui se reconstruit, qui se recrée et toutes les consciences certaines s'interconnectent, elles se reconnectent en fait. Et il y a comme une sorte de réparation en fait qui se crée entre les consciences aussi. Comment vois-tu que ça impacte Dina? Déjà, le fil il n'existe plus et elle a, c'est comme si elle était revenue en son centre, à sa place, bien à sa place, avec une force et une puissance. C'est comme si elle émanait du feu, si c'est des flammes. Où elle se sent bien là maintenant et à sa place. Et est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, et en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Tu me diras quand ça sera fait. Oui, c'est bon. Bien, on va s'occuper maintenant de son ADN. Alors, donc, dans un premier temps, on va éliminer, donc, il y avait 3% de modifiés, dont 0,1% d'ADN reptiloïde, si je me souviens bien. Donc, quel pourcentage on peut commencer à éliminer là? Alors, l'insertion reptiloïde, les 0,1%. Ok, alors on les élimine tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Regarde, c'est de ces 0,1%, il en reste quelque chose en arrière-plan. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Bien. Alors maintenant, pour le reste, combien est-ce qu'on peut éliminer? Le tout, c'est bon. Alors, on élimine tout le reste dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde, s'il en reste en arrière-plan. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Alors, ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'élises? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 et 5 d'activées. Elle peut activer la 6e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Alors, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Bien, alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant
de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de ciseaux et d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Et je vais conseiller à Dina d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration, car comme tu l'as compris, ça ne se passe pas sans ta participation active. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le veulent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient ou qu'elles soient sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non. Alors elle intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui. Et elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Dina, tout y est proposé et c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. Et de plaisir, évidemment. Hein. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon.
Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À l'installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre la vague circulation. Oui. Et un contre les vagues circulées, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. À l'installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. À l'installation de fleurs de vie, graines de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. de toutes les parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Dina de visualiser, imaginer et ressentir au maximum de tes possibilités pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. Pardon. C'est bon. Très bien. Alors, elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui.
que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'ils soient connectés au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Pour cela, nous allons utiliser le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes, et on commence par le système cérébrospinal en le calquant à son archétype originel. Que se passe-t-il ? Il fusionne, se réinitialise jusqu'à la 3D. Alors, système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels pour chacun. On élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Donc là, on va refaire tout le tableau. Donc, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de son archétype originel, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, en isolant les parties métalliques s'il y en a, donc reconnectant chacune des dents à chacun des systèmes fonctions organes, insérant des cellules souches, arrosées avec de l'eau primordiale, et le tout couronné par de l'énergie de force vitale. Oui. Est-ce que c'est bon pour toi ? Ah oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Système bio-électrochimique ? Oui. Équilibre acido-basique ? Oui. Cycle vitaux organique et systémique ? Oui. Le tableau général de tous les systèmes ? Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toutes ses physicalités. C'est fait. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent les systèmes de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu ? On a 7. C'est bon. Centrage d'alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, on élimine tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan ? Non. Alors stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. À présent, les programmes de vieillissement
au sein de son ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des cinq éléments, et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Et à présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Et que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà, présent, on va s'occuper donc de sa pinéale. Avant cela, donc il y avait un système GPS. Oui, dans le bas du dos. Voilà, on regarde s'il en reste quelque chose. Non. Parfait. Alors pour sa pinéale, on va regarder la production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite ? 52%. Elle était à combien avant la séance ? À 37. Bien, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Voilà, on peut aborder ces points donc de santé au niveau de ses yeux, donc une baisse de sa vue. On regarde qu'est-ce qui se passait, même si on a vu tout à l'heure. Oui, c'est le voile, l'effacement de la vision, donc les entités qui ont installé ça. Bien. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant ? Alors, des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémentaire. Alors, on élimine tout ça. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé ? Oui. Alors, on élimine tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et routissé. Oui. Voilà, regarde si on peut y mettre l'énergie spécifique dans ses yeux, son système visuel. Oui, de la vitalité. Et rebooster en fait la vue. Oui. D'accord, énergie vitale alors. Moi, tu as des reconnexions à faire spécifiques ? Ah oui. Alors allons-y. C'est bon. Voilà, on va en profiter pour voir son système neuronal. Moi, tu as des reconnexions à faire ? Oui. Donc, elle va toutes les reconnecter sur tous les plans, donc en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan ? Non. Donc, cerveau droit-gauche, vois-tu des reconnexions à faire ? Oui. Idem, 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central, en vois-tu également ? Oui. Idem, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, comment tu vois son système visuel maintenant ? Réajuster, je dirais. La vue... C'est correct, c'est réajusté. Alors, stabilise, sécurise, pénalise, concrétise. Oui. Voilà, bien que nous ayons travaillé sur ses dents, j'aimerais que tu regardes donc qu'est-ce qui fait qu'elle a tous ces problèmes de dents. Alors, j'ai des... Alors, ça me ramène... Alors, à la fois, j'ai l'arbre généalogique, donc j'ai des liens forts avec l'arbre généalogique. Et ça me ramène aussi bizarrement à son origine liée à la voix en fait et les fréquences. Et c'est comme si elle ne se reconnaissait pas en fait dans sa 3D, dans cette vie-là. Et c'est pour ça qu'elle a des défaillances là au niveau de la mâchoire, enfin de la mâchoire, les dents, enfin pour. Comme si elle ne se reconnaissait pas dans son origine en fait. D'accord.
Ok. Donc déjà, dans un premier temps, si j'ai bien compris, il y a des liens à couper avec donc l'arbre, c'est ça? Hein? Et après, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Donc, c'est des mémoires traumatiques avec des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnaît que rien contre ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Réaligné et retissé. Oui. Voilà, et pour qu'elle se reconnaisse maintenant dans sa physicalité 3D, on regarde donc. Qu'est-ce qu'elle me pourrait, c'est de se connecter à cette partie d'elle dans cette manifestation amphibienne? Oui. Alors allons-y. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle est connectée à cette partie-là? Ça me détend de, on va dire, du chakra sacré. Je me sens détendue jusqu'au, on va dire, au niveau de la mâchoire, enfin de toute la bouche. Toute cette zone-là est harmonieuse, mais détendue. Voilà, ça fusionne. Bien, ça lui fait ressentir quoi maintenant? La paix, c'est ce qui me vient en premier. Paix intérieure, ce qui découle sur de la joie et du plaisir de cette reconnexion à cette vie-là. D'autant plus qu'elle va en profiter pour ressentir et reconnecter cette qualité qu'elle a avec sa voix, d'harmoniser, de créer de la beauté, des belles fréquences. Oui. Bien. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement en toutes ses parties, son mental égo, son élément mental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses parties, son âme, jusqu'au son supérieur. Stabilise, sécurise, pénètre et concrétise. Oui. Voilà, donc au niveau ORL, on regarde, jette un œil, donc elle était sujette aux angines, aux laryngites, etc. On regarde ce qui se passait. C'est les blocages en général de ce qu'elle ne peut exprimer. C'est la même chose. Ok, donc au niveau du gloître, de la thyroïde, nodules de la thyroïde, c'est les mêmes causes? Oui. Très bien. Alors pour toutes les parties concernées, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Alors, il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémental. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité 1, 2, 3. Oui. Alors, il vient une idée, je ne sais pas, elle est peut-être bête, hein, mais le goitre, ça me fait penser aussi à la grenouille qui a parfois, tu sais, une espèce de goitre. Hein. Est-ce que tu vois que c'est lié à ça? Symboliquement, oui. D'accord, donc je suppose qu'il y a des liens à couper. S'il y avait eu cette physicalité humaine complètement. Alors, oui, il y a des liens à couper, mais c'est aussi le fait que le goitre se soit, on va dire, enfin, qu'elle se soit dégradée, je ne sais pas comment expliquer. C'est aussi ce manque de reconnaissance, de se reconnaître. Hein. C'est la même cause que j'ai parlé juste avant. Mais Bien. on peut trouver des liens, en tout cas, qui sont négatifs, oui. Voilà, des liens négatifs. Donc, elle va les couper. Allez, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Voilà, pour les nodules de la thyroïde, on peut y envoyer un rayon donc, qui va disperser, dissoudre, éliminer et cicatriser. Oui. Voilà, on invite son élémental de son côté à mettre une programmation aussi de dissolution. Oui. Voilà, comment tu vois sa thyroïde maintenant? Elle s'est. Ouais, c'est régulier. J'avais envie de dire diminuée. Et c'est pas qu'elle est diminuée par rapport à sa taille normale, hein. Mais en tout cas, l'inflammation, c'est diminué. Voilà, donc c'est régulé. Très bien. Alors, on va en profiter pour notre instant mental de mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de sa physicalité, vues et pas vues. Oui. Voilà.
Alors, stabilise, sécurise, précise et concrétise. Voilà, au niveau du dos, des fragilités, regarde pourquoi. Alors, du dos, alors moi j'ai le fil qui déstabilise donc au niveau du sacrum, d'où les fragilités ressenties, hein, c'est le dispositif. D'accord. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là, maintenant? Des empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement de l'élémental. Alors, on est mis tous les pas en complexité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et rien font aussi de l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Et là, on peut mettre une énergie de force vitale. Oui. Allons-y. Oui. Tu as autre chose à faire? Non, c'est bon là. Bien, alors stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. Bon, maintenant, par rapport à au pied de sa jambe droite, donc avec cet événement où elle s'était enfoncée une espèce de pointe dans son pied et plus tard cassé le tibia. Donc, regarde qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement. Je vois les reptiloïdes en fait, qui ont provoqué cet accident, on va dire ça comme ça, pour l'affaiblir, et ils se sont servis de ces mémoires aussi liées à l'arbre. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé maintenant? Mémoire traumatique avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémental. Ok, par rapport à l'arbre, il y a encore des choses à couper. Oui, spécifiquement, oui. Allez, elle coupe tout et on élimine tout. 1, 2, 3. Oui. Là, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé, Oui. réaligné, retissé. Oui. Autre chose à faire? Ah, c'est bien, là, c'est réparé. Alors, stabilise, sécurise, finalise et concrétise. Oui. Voilà, autre point, qu'est-ce qui fait qu'elle a souvent la nausée en contact des autres ou dans certaines situations, certains endroits? Regarde, qu'est-ce qui se passait? C'est bizarre parce que j'ai eu une image d'aile en amphibien, en grenouille. Il y a Oui. comme un rejet de l'humain en général, je ne sais pas. Le rejet en fait déjà de son incarnation, on va dire, de ses incarnations. Oui, C'est de comme son un pays. ouais. Bon, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu vois une intervention spécifique à faire? Alors, je dirais spécifique au rejet en fait de l'être humain. C'est lié en fait à son premier traumatisme. Ok. Bon, alors puisque nous y sommes, on va aller au tout premier traumatisme. Je ne voulais pas le faire maintenant, mais c'est jamais trop tôt. Ça me ramène, c'est pour ça. Voilà, ben justement. Donc c'est le moment d'y aller. Allez, tu vas au tout premier traumatisme qu'elle a vécu. 1, 2, 3. Ça me fait mal au plexus en plus. C'est lors du concert, en fait, où elle se sent diminuée, anesthésiée, elle perd de son essence, et ensuite elle est recyclée dans les roues d'incarnation. Voilà. Ok, donc comment on fait la concert et qu'arrive la fausse grille magnétique, c'est ça? La fausse Exact. matrice. Hein? Bien, tu vas te présenter là à elle, mais bien avant ces événements, évidemment, tu vas choisir un moment où elle est dans ses pleines capacités, son plein bien-être, dans tout son potentiel. Oui. Tu te présentes à elle et donc tu vas l'informer de son futur, voilà, lui donner les informations de ce qui va se passer dans son futur. Et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Bien. Alors, donc, pour s'y préparer, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle prend beaucoup d'énergie, de fréquence, de vitalité et de confiance. Parfait. Alors maintenant qu'elle est pleinement connectée, qu'elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de perception, de regard, de ressentir, sa manière d'être face à eux. On est d'accord avec ça? Ah oui.
Alors, avant de plonger dans les événements, j'aimerais d'abord savoir comment est-ce qu'elle interprète ce qui va arriver, qu'est-ce qu'elle en comprend. Que c'est une aventure qu'elle va vivre. Parfait. Alors maintenant qu'elle en connaît tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle va plonger dans tous ces événements, et ceci jusqu'à la toute première vie humaine. Et dis-moi comment elle se sent. Forte, puissante, reconnectée. Il y a quelque chose comme... alors reconnectée, ça veut dire qu'elle a gardé en mémoire qui elle est en fait. Et la confiance en elle. Ça les fait ressentir quoi maintenant? De la joie et du plaisir à vivre cette première incarnation. Alors, on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance? Et de rejet, oui. Et de rejet et de tristesse? Oui, exact. Alors, quel point est-il temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer? Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues, sur terre et intervie, et jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Arrivée ici et maintenant, comment la vois-tu? Ah, je me sens joyeuse, bien dans mon corps, bien ancrée, grande confiance en moi. C'est vraiment un bien-être général. Ça les fait ressentir quoi, ça? Il y a beaucoup de joie et du plaisir. Hein. Du plaisir à être Dina aujourd'hui. Bien, alors qu'il n'y a pas le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, elle le télécharge dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminale, toutes ses parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Voilà, donc tout ça, c'était par rapport à cette nausée en contact avec les autres. Donc, elle ne se reconnaissait pas dans cette incarnation. Comment tu la vois maintenant? Très ouverte par rapport aux autres et c'est stable. Donc, j'ai plus de nausée. Tout s'est stabilisé dans son corps, en fait. Eh bien, c'est parfait. Donc, autre point, oreille droite avec des bourdonnements métalliques. Voilà. Et donc, on regarde qu'est-ce qui se passait, même si on l'a vu tout à l'heure. Hein. Oui, ça me ramène aux reptiliens. Bon, est-ce qu'il en reste quelque chose là? Non, ça a disparu. D'accord. Donc, il n'y a plus rien à éliminer, on est d'accord? Oui. Est-ce que tu vois quelles sont les raisons pour lesquelles elle aurait encore des bourdonnements? Non, c'est calme, c'est plat, je dirais. Non. Parfait. Donc, grande nervosité, en ébullition, elle est à 100 à l'heure, voilà, elle se tripote les ongles. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet état-là? Son état énergétique, général. Surtout les mentes, là, les dernières. C'est elle qui provoque cette nervosité intérieure. Bien. En tout cas, elles ne sont plus là. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer, là, spécifiquement? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Et elle va prendre conscience et connaissance de sa véritable nature, de son essence, de cet amour qu'elle est, par son intention, par l'intention qu'elle porte sous son chakra cardiaque, activant tout le ressenti, sentiment, sensation, émotion, perception, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Comment vois-tu Dina à présent? Elle est calme, recentrée, stabilisée, équilibrée. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être-là. Et bien voilà, donc elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Voilà, donc elle fume, elle aimerait arrêter de fumer. Donc regarde qu'est-ce qui fait qu'elle soit addict, dépendante de la cigarette. Alors c'est bizarre parce que derrière elle, je vois des entités démoniaques qui fument aussi.
fume, en fait, de fumée, c'est donc ce sont les entités démoniaques qui appuient hein, sur ces les anciennes failles, en tout cas. Et à travers elles, elles prennent de l'énergie, en fait, tout simplement, en fumant. Donc, c'est elles qui provoquent le désir, l'envie, le besoin. Oui, parce qu'il y a aussi une insécurité intérieure, c'est ça, c'est les failles. D'accord, ok. Non, mais c'est important de parler de cette insécurité intérieure. Donc, cette insécurité intérieure, elle vient d'où? Alors, déjà de son ancienne situation énergétique sur tous les plans, et aussi du premier traumatisme que l'on a réglé. Donc là, la sécurité n'est plus là, alors, si j'ai bien compris. Exactement. Mais alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé maintenant pour éradiquer l'envie, le désir, le plaisir, le besoin? Alors, des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Bien, alors en même temps, on va travailler sur le niveau cellulaire, tout ce qui est en lien avec les sensations, les perceptions, les ressentis. Donc, tout ce qui est du toucher, d'odorat, de la vue, de toutes sortes de perceptions tactiles, etc., de gestuelles aussi. Donc, on travaille tout ça en même temps. OK? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé là? Les traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, elle est toujours connectée à la source, donc ressentant cet amour qu'elle est dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa paix profonde et une profonde sécurité intérieure, comme tu la vois maintenant dans les situations où auparavant elle aurait eu envie ou besoin de prendre une cigarette. Oh, je la sens tellement stable, équilibrée, je la vois joyeuse en fait. Donc il n'y a plus ce besoin en fait, même la cigarette n'existe pas. Très bien. Alors, dans ce genre de situation, malgré tout, si elle aspire l'énergie de la source, comme pour la fumée, regarde ce qui se passe pour elle. Elle se sent puissante et confiante. Ça lui fait ressentir quoi, ce nouvel état? La joie et du plaisir. Beaucoup de plaisir. Et certainement un grand sentiment de liberté. Oui, il y a de la liberté, oui. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, précise, concrétise. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait que sa présence détracte des appareils électriques et autres? Une des surcharges électriques, alors due à son ancienne situation énergétique, mais notamment à l'anxiété aussi. L'élémental produit de l'électricité, je ne sais pas trop, mais c'est une surcharge en tout cas. Électromagnétique. Bon, oui. En tout cas, il en reste quelque chose ou pas? Non. Non, tout est réglé. Oui. D'accord. Bon, voilà, c'est pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait peur de conduire, peur d'être coincée sur la route? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait ce sentiment-là et ces émotions? Là, j'observe des mantes, donc les dernières, qui induisent ses peurs. Mmh. Voilà, ce sont des peurs pour baisser son taux vibratoire, en tout cas, à ce moment-là. Donc, c'est des peurs qui ne lui appartiennent pas? Exactement. Ce n'est pas des mémoires existantes qu'elles ont appuyées? Alors, elles ont dû prendre ça sur des mémoires, oui. Mais en premier lieu, j'ai vu les mentes, c'est pour ça que j'ai dit ça. Maintenant, si je vais regarder, oui, c'est des programmes. Alors, j'ai quand même du transgénérationnel qui me revient dans les programmes. La peur d'être coincée, en fait. Tu as dit ça, ouais, ça me ramène au transgénérationnel. Qu'est-ce que ça va d'être coincé dans le transgénérationnel? Un ancêtre qui s'est retrouvé dans des situations de violence, par exemple. C'est-à-dire qu'on l'a coincé dans une rue pour le tabasser et lui voler son argent. Enfin, je vois quelque chose comme ça. Et ça, c'est ce qu'elle ressent donc dans la conduite?
Oui, enfin, elle a énuméré la conduite, mais c'est le sentiment de se sentir coincé dans une autoroute et de prendre qu'une seule voie. En fait, moi, je vois en fait ce que je ressens. C'est que tu D'accord. n'en as pas le choix et tu ne peux pas fuir à ce moment-là, en fait. Ok, très bien. Bon, bah écoute, à part couper les liens avec cet arbre, ses mémoires karmiques, je suppose également, qu'est-ce que tu vois d'autre à éliminer? Des empreintes traumatiques, voilà, et les liens, oui, des habitudes de fonctionnement. Allez, elle coupe tous les liens et on élimine tout le reste. 1, 2, 3. Oui. Ouais, toujours connecté à la source et à toutes ses parties, en ressentant cette sécurité intérieure et cette paix profonde. Comment la vois-tu maintenant au volant de sa voiture? Alors, je me sens déjà beaucoup apaisée, tranquille. Donc, au volant, quelle que soit la route que j'emprunte, je me sens libre. Voilà. La sensation d'être libre, d'aller où je veux. Alors, quelle est cette nouvelle sensation lui fait ressentir? De la paix intérieure et du plaisir. Elle prend beaucoup de plaisir et de la joie qui en découle, évidemment. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici maintenant, comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soin supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, autre point, donc, c'est au niveau des finances. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours dans la mouise, suivant sa propre expression? Voilà, elle se sent racketée. Enfin, bref, l'argent ne reste pas. Et d'ailleurs, c'est pareil pour son conjoint. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe? Alors, à la fois, donc il y a les entités, mais surtout les entités démoniaques qui profitent des failles, des mémoires, et ça me ramène à l'arbre, toujours, au niveau des finances. Différents ancêtres, différents. Oui, on va appeler ça des ancêtres, hein. Avec chacune leur situation. Donc, des vols, des ruines, du manque, choses comme ça. Très bien. Donc déjà, il y a à couper avec tout ça. Qu'est-ce que tu vois d'autre qu'il y a à éliminer? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Bien. Alors, elle coupe tous les liens et on élimine tout le reste sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Et toujours en connexion avec la source, en ressentant cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et sa paix profonde. Elle va en profiter pour installer une programmation sur laquelle donc elle mérite le meilleur, que tout lui est possible et que tout lui vient facilement, joyeusement et agréablement, que toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes, y compris financières, mais aussi toute autre porte, et que tout lui vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. D'ailleurs, son conjoint peut venir également et faire la même chose. Oui. Voilà. Et pour le reste, il sera invité pour la séance, il pourra se nettoyer tout seul. Il est OK avec ça? Oui. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Comment se sent-elle maintenant? En joie, il y a une grande ouverture, d'abondance. De finances, en tout cas. Il n'y a plus de blocage, donc il y a beaucoup de joie. Très bien. Alors qu'elle prenne là aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Et bien sûr, son compagnon fait la même chose. Oui. Voilà. Il ramène ici maintenant, téléchargeant toutes les parties déjà prestées jusqu'au sein supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Voilà, autre point. Donc, un enfant a été frappé, voilà, d'une pendaison. Enfin bon, un père qui apparemment ne l'appréciait pas trop, qui l'a même déclaré un an après sa naissance. Bon, voilà, découvert qu'après, ce n'était pas son père, c'était son frère. Bref, situation un peu particulière. Qu'est-ce qui fait qu'elle a vécu cette situation, qu'elle soit née dans ces conditions, dans ce monde? Les lois d'attraction des mémoriels par rapport à l'arbre, en fait. Au moment de cette incarnation-là, je vois une attraction de mémoire, en fait, dans l'arbre. Dans des failles de rejet, par exemple, ou de rejet. Parce qu'il y a le rejet de l'incarnation, mais du coup, il y a aussi le rejet qui se manifeste sous cette forme-là, dans la famille. Donc, tu veux dire qu'il y a d'abord son sentiment de propre projet envers elle-même et son incarnation? Exact.
Et donc, Ça, par la protection, ça l'a amené dans cette lignée-là qui, justement, était empreinte de rejet. C'est ça? Oui, exactement. Très bien. Donc, en ce qui la concerne, on a fait ce qu'il fallait tout à l'heure. Par rapport à l'arbre, donc, je suppose qu'il y a tous les liens coupés, y compris les liens toxiques, Oui, c'est ça. relationnels, transgénérationnels, karmiques et autres. Alors elle les coupe tous pour se libérer totalement. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, donc, toujours en conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Elle ressent sa véritable nature, cet amour qu'elle est dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa paix intérieure et sa profonde sécurité. Et du haut de cette sagesse, maintenant, comment est-ce que tu la vois? Quel regard elle porte sur ce qu'elle a vécu par rapport à celui qui a été son père, on va dire, adoptif, le père biologique également, qui s'est révélé plus tard, toutes ces situations qu'elle a vécues de violence, etc., jusqu'au viol, enfin bon. Quel regard elle porte sur tout ça et qu'est-ce qu'elle en comprend? Je la vois avec un grand détachement et une grande sagesse où elle comprend en fait tout le système matriciel, les entités démoniaques, les mémoires, toutes les empreintes, les programmes, en fait tout ça qui a fait qu'elle s'est retrouvée embourbée dans ces situations-là et ces événements-là qui l'ont traumatisée. Donc elle prend beaucoup, beaucoup de, comment dire, de sagesse et de recul en fait par rapport à tout ça. Et voilà, ce qu'elle souhaite, enfin, c'est le rééquilibrage, en fait, parce qu'elle voit bien que c'est ni sa faute et ni la faute à l'autre. Voilà, donc là maintenant on va y arriver. Donc maintenant qu'elle sait tout ça, qu'elle comprend, qu'elle a toutes ses compréhensions, qu'est-ce qu'elle ressent pour celui qui a été son père finalement, qui n'a pas été le père, celui qui a été son vrai père et finalement qu'elle n'a pas vraiment connu, bref, et toutes ces situations de personnes qui l'a violée. Bon, qu'est-ce qu'elle éprouve pour tout ça? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir pour toutes ces personnes avec ses compréhensions? J'ai une sensation de comme si c'était un film et que ça ne m'appartient plus. Voilà, c'est passé en fait. Il n'y a plus la faute de l'un ou la faute de l'autre ou se flageller soi-même. C'est fini ça. Elle se sent vraiment en paix intérieure par rapport à tout ça. D'accord. Et si elle porte un regard sur celui qui a été son père, on va dire adoptif, qu'est-ce qu'elle éprouve? Rien maintenant, c'est neutre. Elle éprouve, on va Bien. dire, de la neutralité. Ouais, il n'y a pas vraiment. C'est à point zéro. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation? Une grande forme de liberté, ouais, je ressens. Elle s'expanse et il y a beaucoup de sagesse en elle. Et du Donc coup, ça. ça les... De la joie et beaucoup de plaisir de ce nouvel état d'être de Dina. Voilà, c'est nouveau. Alors là aussi, qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc par rapport à cet événement au Portugal, avec les yeux de sa sœur qui l'observe pendant qu'elle elle découvre sa propre sexualité, et la sœur qui en profite pour la culpabiliser, la faire chanter, enfin bref, pas très joli, joli. Qu'est-ce qui s'est passé là dans cet événement? J'ai des entités qui provoquent des jalousies, enfin c'est ce qui me vient de la part de la sœur. Ok. Elle a aussi dans l'arbre le sentiment de rejet aussi. Donc c'est une forme de jalousie, enfin je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est ça, des entités qui provoquent ça en tout cas. Bien, alors pour Dina, c'est clair maintenant, elle comprend tout ça. Oui. Elle comprend ce qu'il y a derrière tout ça également. Oui, ce n'est pas de sa faute. Ouais. Voilà, bon. Alors, elle va couper, il y a des choses à éliminer là pour cet événement ou pas? Oui, il y a des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement.
Très bien. Allez, on élimine tous les plans de complexité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et pour sa sœur, elle fera partie donc des invités. Elle pourra régler son propre problème également. Bien, donc qu'est-ce qui s'est passé par rapport à 20 ans, cette IVG qui n'a pas fonctionné? Finalement, ça s'est terminé par une césarienne. Voilà, et donc deuxième IVG. Donc, où elle s'est sentie une petite boule à la cicatrice. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Je revois les interventions des reptiloïdes. Donc, ce sont les reptiliens qui sont entrés en jeu. Ils ont fait quoi à ce moment-là? Je les vois avec des outils en train de débrider en fait le fœtus, donc de le garder en vie. C'est pour ça que l'IVG n'a pas fonctionné. Et ensuite, ils sont intervenus comme s'il fallait remettre un fœtus hybridé. Et qu'est-ce qui est devenu ce fœtus hybridé? Il a été retiré par la suite, par eux. Donc c'est en quatrième dimension, on n'est pas sur le même plan. Mais ça a laissé une cicatrice sur la petite boule, là, justement, que tu parlais. Bien, tu vois les choses qui restent à éliminer maintenant, pour tout mettre en ordre? Il y a des empreintes traumatiques. Des habitudes de fonctionnement avec les programmes de compensation aussi, de l'élémental. Alors, on a mis tout ça sur tous les plans. Comme c'était 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, par rapport aux héritages, donc, elle s'est sentie abusée, elle a été spoliée apparemment, avec ses frères. Bref, tout est bloqué. On regarde maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là pour que tout soit bloqué, qu'il se soit passé ça avec ses frères. Enfin, avec les frères de son père, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Défaillance de l'arbre. En fait, en début de séance, sa défaillance et les liens, du coup, aussi avec l'héritage. Ouais. Les finances. Bon, avec les programmations qu'on a installées tout à l'heure, tous les liens qu'on a coupés, est-ce que tu vois autre chose à faire ou est-ce que c'est réglé et tout va se débloquer? C'est réglé, exactement. D'accord. Il ne reste plus rien à faire à ce point-là, à ce moment-là? Non, l'arbre est lisse, lumineux. Eh bien, c'est parfait. Regarde par rapport à son... Oui, son fils qui a été vacciculé. Regarde quelle version il a eue, tiens. J'ai une version complète et une atténuée. D'accord. Quelles ont été les conséquences pour lui? C'est lié à la protéine spike. Il est... Comment je peux dire ça? Surveillé. Enfin, c'est ce mot qui est venu. Il est en surveillance énergétique. D'accord, mais ça a des conséquences sur sa santé? Alors la santé, non, je n'ai pas de conséquences directes. Ok, bon, on va le faire venir devant elle. Oui. Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire, elle lui propose de prendre conscience de sa propre situation sur tous les plans. Et quel genre d'idée tu vois sur lui? Un reptilien. Il n'y a qu'un reptilien? Oui. Sûrement des démoniaques en arrière-plan? Oui, je n'ai pas tout regardé, mais le reptilien était très présent là. D'accord, bien. Comment réagit-il quand il voit ça? Il est étonné et il a peur à la fois. Bon, demande-lui s'il veut qu'on aide. Oui. Bien, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Voilà, il a augmenté ses fréquences et tout a disparu en arrière-plan. Très bien, donc le reptilien n'est plus là? Oui, il n'est plus là. Parfait. Alors tu vas l'inviter maintenant à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a donc élaboré, qui sont transgénérationnels, toxiques, relationnels, etc. Il les coupe tous sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et par rapport à la vacciculation, donc tu vois qu'il y a de la protéine spike? Oui. Allez, il va tout griller. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu des graphènes? Non, c'est éliminé.
D'accord. Vois-tu des nanotechnologies? Oui, j'ai des traces. Il ne reste plus que des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors maintenant, il a accès à toute la séance. Il va pouvoir commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Il en a les capacités, les informations et tout ce qu'il faut. Il est OK avec ça? Oui. Bien, on revient donc à Dina. On va regarder son corps mental, donc toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes, bien entendu, qui en découlaient. Alors j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est bien rangé, compact et très limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance et ni la puissance. Elle n'a ni la connaissance et la puissance nécessaires. J'étais restée sur son fils, je ne sais pas Oui. pourquoi. Donc elle n'a ni la connaissance et la puissance nécessaires pour pouvoir les dégager de sa réalité. Bien, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Ah, qu'elles peuvent maintenant les exploser, désagréger et dégager de sa réalité. Eh bien, c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Qu'est-ce qui reste à exploser et à dégager de sa réalité? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Allez, elle explose, elle dégage tout. 1, 2, 3 sur tous les plans. Comme précité. Oui. Bien, et toujours sur l'ancienne ligne de temps, maintenant, regardez son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. J'ai de l'anxiété, parfois des peurs qui s'activent en arrière-plan, liées à de la tristesse, de la culpabilité, de la nostalgie. Il y a beaucoup de fuites d'énergie. Ça crée aussi des frustrations, une insécurité intérieure et donc une fausse image d'elle-même qui s'est créée. Bien, et on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Le sentiment d'injustice en premier lieu, d'avoir à vivre ou à être dans cette incarnation, dans ces conditions-là, avec le sentiment d'humiliation, de ne pas avoir les ressources nécessaires pour pouvoir se sortir de ces états-là. La partie physique, elle se sent trahie, rejetée et abandonnée par la partie supérieure dans l'incarnation, dans ces conditions. Et pour pouvoir, alors ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour pouvoir fonctionner et maîtriser cette incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation de se sentir en sécurité, mais qui la coupent de ses connexions intérieures. Elle a du mal à se placer, ce qui crée des fuites d'énergie et une fausse image d'elle-même. Alors, je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Les mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tous les plans. Complicité 1, 2, 3. Alors, et en ce qui concerne la personnalité, donc Dina, tu as toutes les compréhensions, toutes les informations pour créer des changements, t'ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons pour une vie plus riche, enrichissante, joyeuse, aimante et pleine de plaisir. Voilà. Et toujours en conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vas-tu dîner à présent? Alors, bien connecté, équilibré, stabilisé, bien ancré, aligné dans toutes ses parties, ça la rend joyeuse et elle prend beaucoup de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui.
Elle ramène cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, avec donc enrichi de ses nouvelles compréhensions et de ses nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est de son essence d'origine, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Bien. Et ça, je rappelle que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Dina? Il y a un grand épanouissement général intérieur, de la sérénité, de la complétude. Il y a de l'harmonie. Elle se sent équilibrée avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état. Alors qu'il n'y a pas le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Voilà. Donc elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. On revient ici maintenant à la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. Comment vas-tu, Dina, à présent? J'avais le terme comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle se sent à sa place, bien dans cette incarnation, bien alignée, dans toutes ses parties reconnectées. Il y a beaucoup d'équilibre, de joie, d'harmonie et de plaisir à vivre dans cette nouveauté de Dina. Eh bien, ça va être le moment des invitations. Oui. À nommer son compagnon et sa famille, bien sûr, leurs enfants respectifs et compagnes, ses trois sœurs et leurs familles respectives également, sa mère, sa famille en général, les relations, tous ceux à qui elle pense, le chat et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces.
Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Dina pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont conviés. Et chacun va également procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisque maintenant ils en ont à l'accès, les compréhensions, les compétences et tout ce qu'il faut. Le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien, alors on va passer au désincarné. Donc on va aller voir celui qui a été son père biologique. On regarde sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Alors, il est dans une phase intermédiaire, prêt à se réincarner. On appelle ça cette phase-là. De Il est. préincarnation. Oui, quelque chose comme ça, oui. D'accord, bien. Alors, identifie-le, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. Oui. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui, il demande dans quel sens l'aider. Bah, dans le sens de le faire sortir d'une situation qu'il ne souhaite peut-être pas et de le faire évoluer, atteindre des plans plus épanouissants pour lui. Parce que pour lui, il avait cette sensation-là qu'il était au bon endroit pour réparer ses erreurs. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il veut bien m'accompagner. Bien. Donc, il accepte que nous l'aidions. Oui. Alors, on connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences fortement et se retrouve projeté dans un autre plan. Où il prend connaissance réellement de qui il est. Donc il se sent beaucoup mieux dans cet état-là, en tout cas. Alors, que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Oui, maintenant il voit le chemin vers la source et c'est ce chemin-là qu'il veut prendre. Alors, dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Et il se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, c'est fait. Avant de monter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Il est désolé de ce qui a pu arriver, que il est désolé, c'est juste que tout ça, c'était. Alors, un, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Deux, il y a des choses qu'il n'a pas assumé ses responsabilités, des choses comme ça. Et qu'il est désolé que Dina soit en. Quelque chose comme un dommage collatéral, en fait. Bien, alors de la perspective où il est maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, des choix qu'il a dû faire, des attitudes qu'il a eues et de ce qu'il y a derrière tout ça? Là, il s'observe dans comme dans une prison, comme s'il était derrière un grillage. Il était coincé quand il vivait sur Terre. Voilà ce qu'il observe. Voilà ce qu'il observe. Et alors, il comprend quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il comprend que. Alors, ce qu'il y a derrière tout ça, oui, il observe le système matriciel, la prison, mais la prison dans laquelle lui aussi il se trouvait, on va dire, dans son corps, mentalement, etc. Donc, il observe qu'en fait, il n'aurait pas pu avoir une vie meilleure, quelque chose comme ça. Genre, il n'a pas le choix. Il comprend pourquoi il était lui-même dans cette prison. Oui, exactement, oui. Voilà. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant qu'il le comprend? Du soulagement, de la liberté, il ne ressent plus du tout de culpabilité vis-à-vis de Dina.
Il se sent surtout soulagé et voilà. Là maintenant, il est prêt à partir vers la source. Bien, il comprend le sens de la phrase qui dit qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place. Oui. Parfait. Il veut rajouter quelque chose à Dina ou pas? Non, pas spécialement. Mais il veut repartir. Ah, on va le saluer et le remercier. C'est bon. Il est sorti de la fausse matrice? Oui. Bien, alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa belle-mère. Regarde sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est sur le plan astral, dans le moyen astral, je dirais. Ses fréquences sont assez élevées. Dans sa bulle de réalité où elle s'y sent bien. J'avais l'impression qu'il y avait un jardin dans sa bulle de réalité, avec des fleurs, choses comme ça. Très bien. Alors, est-ce que tu veux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touche en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a fait un bond énergétique, elle s'est retrouvée dans des plans supérieurs. Est-ce qu'elle choisit, que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle est à la source. Bien, alors dis-lui aussi que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Et avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Dina et celui qui a été son fils, bien sûr, et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyé? Là, elle ressent une grande forme de liberté, elle se sent heureuse et libre. Elle est très heureuse d'avoir vécu ce qu'elle avait à vivre avec ses enfants, avec son mari, etc. Et tous ceux qu'elle a rencontrés, croisés sur Terre. Et elle leur envoie beaucoup d'énergie, d'amour, et maintenant elle continue sa route, elle est bien. Alors attends, avant de la laisser partir, demande-lui si elle veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Dina. Et puis dans celle aussi de son mari, donc de celui qui était son fils, des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. Maintenant, on va la saluer et la remercier. Bien, alors on revient à Dina. Oui. Alors, regarde s'il reste des liens toxiques à couper. Oui, il en reste. Elle va tous les faire jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes si au sein de cette fausse matrice, il resterait quelque chose à son propos à éliminer. Non. Alors, de son espace moranciel, elle récupère toutes ses énergies en les ayant préalablement filtrées. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de muscat activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui.
Et je rappelle, si c'est nécessaire, qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur du Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création, l'accident et le sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double muscat activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va procéder à l'activation de la DHEA, donc cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement et la régénération cellulaire. Donc, j'aimerais que tu regardes ces programmations limitantes. Oui. Tu vois ces programmations? Oui. Alors, on les élimine. 1, 2, 3. Oui. Et elle va les remplacer par sa propre programmation, donc d'un débit constant, d'un flux régulier et équilibré, et surtout permanent. Oui. Regarde comment tu vois maintenant la production de la DHEA. C'est fluide à flot. Voilà. Parfait. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va s'occuper de son hippocampe, puisque nous avons découvert cette partie d'elle dans le cerveau, donc qui est le siège de l'intelligence, de la mémoire, de la relation à l'espace-temps, des capacités de réaction, de défense et d'autonomie. Bref, c'est un centre très important qui est généralement très affecté. J'aimerais que tu regardes le sien et que tu me dises comment tu le vois. Il est diminué, je dirais cassé, comme cassé. Hein. Je ne veux pas imaginer un hippocampe cassé, mais ça ressemble à quelque chose qui est demi-cassé, on va dire. Il fonctionne à quel pourcentage, là? J'ai 32%. Ah oui, bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé pour tout remettre en ordre? Donc, il y a des traces traumatiques hein, avec les habitudes de fonctionnement. Hein. Bon, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. On va rajouter de l'énergie vitale. Oui. On va maintenant le connecter à son archétype originel et personnel. Oui. Voilà. Et maintenant, il va être lié à son chakra cardiaque. Oui. Et pour finaliser, à tous ses chakras. Oui. Comment tu vois son hippocampe à présent? Il s'est expansé, agrandi. Il vibre. Il fonctionne à quel pourcentage là? Et là, c'est en train de monter. J'étais à 75% et il va arriver jusqu'à 100%. Très bien. Alors, stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'ADN, combien sont connectés et combien sont activés. On a 7 et 6 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la 7e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. On va déployer des nouvelles lignes de temps. Oui, c'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. Peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement cette séance?
De 9 à 13 mois. De 9 à 13, est-ce qu'il doit avoir des effets rapides et lesquels? L'épanouissement général, un bien-être, se sentir reconnecté. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière parce que les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors il suffira à Dina de se souvenir de ce qui a été dit, voire même de le réécouter pour bien comprendre cela, dans ces moments où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail, plus courte pourrait être aussi la métabolisation, est meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également que je déconseille fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier et détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Dina, on va aller dans le futur. Au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Parfaitement équilibrée, reconnectée, stabilisée et bien ancrée. Il y a un grand épanouissement intérieur de l'harmonie, de la sérénité, beaucoup de joie, de plaisir à vivre dans cette nouveauté, cette nouvelle Dina. Bien. Donc, tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te souvenir et surtout d'appliquer nos recommandations. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Et elle ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son données mentales, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminaire et toutes ses parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Voilà. Donc, stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Maintenant, on va regarder son domicile. Moi, tu me dis comment tu vois. Donc, sa maison. Alors, j'ai des perturbations énergétiques, mais c'est lié à elle, à son ancienne situation énergétique. D'accord. Et si tu regardes les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, c'est assez calme. Alors, elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer, l'intérieur et l'extérieur de la maison, les mémoires des murs, meubles, objets, câbles, greniers, garages, dépendants, s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscat activé et sécurisé. Oui. Sur son compteur électrique qui est alinké, tu crées un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie, double muscat activée et sécurisée. Oui. Sur toutes les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle crédit de protection, elle également. Oui. Voilà. Et donc, et puis, bien sûr, les autres occupants, s'ils le veulent, et le chat. Oui. Voilà. Maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation. De métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Voilà. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oh, je commence à fourcher. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui.
Toutes ces bulles de création et ces bulles d'attention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à s'en souvenir et à s'en servir. Par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double muscat activés. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout plan de réalité, sur le plan tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur le plan fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Voilà. Et donc que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui était fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, juste avant de voir son soi supérieur, j'aimerais que tu te connectes sur son chat. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il ait des démangeaisons, regarde. C'est énergétique. J'ai comme des sortes de petites puces, en fait, physiques, on va dire, qui l'embêtent. C'est ça qui fait qu'il se démange. Et ces petites puces, elles sont attirées au niveau énergétique, en fait. Alors, est-ce que c'est en lien avec une vulnérabilité ? Oui. Attends, je regarde. Oui, c'est des perturbations énergétiques, en fait. Avec une vulnérabilité, je ne sais pas à laquelle, il n'y a rien qui s'active encore. On regarde d'où viennent ces perturbations énergétiques. Ah, on dirait que c'est relié, parce que je ne vois pas pour le chat. Il n'y a pas forcément de mémoire pour lui, mais c'est en lien avec Dina. Ah d'accord, ok. Alors regarde si en coupant tous les liens toxiques, ça va régler le problème avec la douche qui va venir après. Oui. Exact. Ok, donc il avait coupé tous les liens. Il coupe tous les liens toxiques sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Alors, maintenant, tu vas le connecter directement à son âme groupe. Oui. Voilà, il en fait descendre des informations, etc. Comment tu le vois maintenant ? Il est beaucoup plus heureux. Il se sent détaché, on va dire, beaucoup mieux. Très bien. Et on parachèvera ça avec la douche tout à l'heure. Bien, alors maintenant nous en étions à son soi supérieur. J'aimerais savoir donc qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. Je parle bien sûr de Dina. La connexion maintenant elle est directe, fluide et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement ? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses capacités. Alors, il suffira à Dina, bien sûr, de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment vois-tu son âme ? Elle se sent forte, à sa place et elle est en joie. Et sa partie subliminale ? Elle s'est sécurisée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr. Et dans cette nouvelle version de Dina, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien évidemment, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cet eau de très haute fréquence composée de son, lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particule de lumière iridem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Dina avant la séance et quelle est-elle à présent ? De 59 et maintenant de 181. Bien, alors regarde comment on va le miner maintenant. Toujours aussi joyeux, bien.
Très bien. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou Laetitia, comment te sens-tu? Oui, c'est bon, ça va. Bon, allez, Anoudina, tu peux remettre le son, nous t'écoutons. Voilà. C'était... Tu peux mettre le micro? Évidemment. Je ne parle pas encore avec l'oreille. ouais, c'était riche en émotions, beaucoup de ressentis, des choses qui me parlaient, qui m'amusaient un peu hein, par rapport à mon origine, parce que je fais du modelage, la peinture, enfin tout un tas de choses. Et en parlant, en écoutant la description de Laetitia, je voyais des petites choses que j'avais faites. C'était certainement le lien, la connexion qu'il y avait entre nous. Pour la voix, alors oui, c'est vrai que j'ai eu l'explication à une question que je me posais. Parfois, je parle à des gens et je vois que ça déclenche des réactions particulières. Qui les apaise. Je crois même que les gens cherchent ça. Alors que moi, j'ai l'impression d'être, tu sais, tout électrique et eux, ils perçoivent quelque chose qui leur fait du bien. Bon, ben, ça va s'amplifier alors. Hein? Oui, ça m'a donné une explication, quoi. Alors, au niveau du chant, je chante comme une casserole, hein, oui. J'ai pas été dosée de ce côté-là, mais bon. Non, c'est. Il ne s'agit pas peut-être pas de qualité artistique, il s'agit peut-être de qualité vibratoire à travers la voix, tu vois. Hein? Visiblement, oui. Voilà. Après, artistique, pourquoi pas, hein? Ça se dénote, mais bon. J'ai été avec un musicien, le papa de mon fils. On a eu un studio d'enregistrement et donc je baignais autour de la musique pendant une dizaine d'années et je crois que j'étais la seule à n'avoir aucune compétence. Donc, tu vois. C'est un paradoxe. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a énormément d'informations. On travaille sur beaucoup de plans. Donc, au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Oui. Hein? Ce n'est pas en une seule fois que tu vas tout intégrer. Et puis, dans ces fameux moments de métabolisation où ça peut être inconfortable, hein? N'oublie pas de refaire ta séance du début jusqu'à la fin, tout en sachant bien sûr qu'au début, les entités ne sont plus là, que tu partes dans cette sécurité intérieure. OK. Voilà. Hein? Nickel. Bah ouais, c'était très Alors, agréable. tu as compris que la balle est dans ton camp, donc nous, on a fait un travail, mais le plus gros, c'est toi, parce que ton travail à toi, d'ailleurs, ce n'est pas un travail, mais c'est plus une attitude d'attention, d'intention, de vigilance, de rester dans une certitude intérieure, une confiance, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Et également d'avoir la certitude que le travail qui a été fait est déjà réalisé, même si tu n'en as pas encore l'épreuve. C'est le temps que ça se métabolise, hein, la descente dans la 3D, etc. Ouais. Donc plus tu vas rester confiante et optimiste, et plus vite ça va aller. Voilà. Ça marche. Voilà. Super. Eh Bon. ben, belle continuation à Merci vous. à toi. Merci à Laetitia. Donc, ta vidéo, je peux la publier? Alors, oui, revenons dessus. Donc, si on peut enlever les points, j'ai pas forcément envie qu'on connaisse les points au début. C'est au C'est un début où peu dommage. je les cite. C'est un peu dommage parce que du coup, la séance perd son sens, tu Un vois. TGV, hein. Ouais. Je te balance tout ça. Mais bon, oh, je m'en fiche, vas-y. Ça n'a pas Oui, aucune maintenant, oui. importance pour moi. Ah ouais, Bon, vas-y. ok. Bon, ben Ça super, marche. merci à toi. Ben, j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail. Tu me diras comment les choses bougent pour toi quand tu voudras et si tu veux, bien sûr. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ben voilà, et puis je continue de regarder parce que c'est génial, quoi. C'est génial. Merci Voilà. à toi. À une Bon, prochaine fois et bonne continuation. Merci oui. encore.